Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Eh ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez encore la pêche après cette semaine de post-Adobe Max où on vous a appris tellement plein de trucs nouveaux. Et du coup, aujourd'hui, on est avec Nicolas Burnage pour Hello. La dernière de la semaine. Ça va, tu as la pêche? Ouais, je suis un peu fatigué parce que c'est la fin de la semaine, mais on est à fond. Et écoute, je suis content parce que c'est peut-être la première fois dans la semaine que je vais pouvoir faire un peu de vidéo, tellement j'ai travaillé sur autre chose. Ouais, écoute, c'est plutôt bon signe si t'es occupé, c'est... bon. Ouais, de ouf, de ouf. Mais ouais, il y a plein de trucs qui se passent, on sent que ça bouge et j'ai trop hâte de mettre plus de choses en pratique. Et toi, comment ça va? Carrément, écoute, on va tout donner du cerveau, de ce qui nous reste de cerveau pour cette fin de session. Alors, c'est parti. Vous n'avez pas vu Nicolas courir au dernier moment pour nous choper un café voilà. Pour attaquer la session. Magnifique juste café. Avant la fin du jeu. Magnifique café à la mocha. Alors du coup, bonjour à tout le monde. Si vous êtes du côté YouTube, il y a Alexandre qui va vous partager le lien pour nous retrouver du côté Behance. Vous savez maintenant, mais si vous ne savez pas comme ça, parce que comme Behance, ça nous permet d'aller regarder vos portfolios et c'est là qu'il y a... C'est un peu là qu'il y a tout le monde, hein. C'est là que le chat rigolo est là. Ouh là là, les phrases, c'est compliqué à faire. C'est la fin de la semaine, en plus, ça, c'est... Est-ce que pour vous aussi, les phrases, c'est compliqué à faire aujourd'hui? Alors du coup, du côté YouTube, bonjour à Thierry, qui est toujours là tous les jours. Bonjour Thierry. Bonjour à Christophe. Et du coup, du côté Behance, bonjour à Jamila, à Franck. J'allais dire encore Jamila, mais voilà. Alex, Delphine, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live. On est là pour ça. Et puis voilà, je vous laisse arriver tranquillou. Il y avait beaucoup de sessions cette semaine. Vous avez eu Franck qui vous a aussi parlé de vidéos à midi. Et nous, on réenchaîne, mais on n'a pas peur. Oui, alors... parce que tu sais, en parler genre une heure, c'est pas suffisant. Ouais, et puis c'est cool de voir comment toi, tu l'appliques en tant que professionnel à ton travail. Tu vois, Franck, il a plutôt le yes. Côté... Et puis en formateur fait, et toi, hop. T'as vu un petit peu toi, Max? Bah ouais, carrément, ouais. Après, c'est marrant parce qu'il y a tellement de choses. Puis en fait, j'ai l'impression que tout le monde a vu un truc différent. Tu vois, on n'a pas vécu la même expérience. Je me suis booké des conférences sur les 3 jours. J'ai jamais été aussi occupé que pendant ces 3 jours-là, parce qu'en plus, c'est que quand, avec le décalage horaire, tu as des conférences, elles commencent à 1h du mat. et en fait, j'en ai vu plein autour de la vidéo, autour des nouveautés dans Premiere, etc. Mais j'ai regardé aussi un petit peu de graphisme et tout ça. Et on a vu des trucs cool hein, quand même. Hein. On a vu des trucs très, très cool, et notamment dans les nouveautés Premiere. Hein. Carrément. On va regarder ça. Tu as regardé qui était vidéo, tu m'as dit que tu as regardé les nouveautés et tout. Est-ce que tu aurais dit. Pour ceux qui sont un peu. Qui sont un peu comme moi, tu vois, genre je sais couper des trucs dans Premiere et les mettre à la suite. Est-ce que tu aurais une session à nous partager, tu vois, pour améliorer un peu, tu vois, débutants, intermédiaires et qui t'ont vraiment plu Une session dans le sens genre un tuto, une vidéo, qu'est-ce que non là aujourd'hui qu'est-ce... ok bah écoute oui on va faire ça bah du coup ouais tu vas nous apprendre des trucs déjà les nouveautés et puis après peut-être on parlera voilà. D'autres sujets préférés ouais bah écoute je te propose qu'on démarre allez go c'est toi le boss alors je vous propose de démarrer dans Premiere déjà. On va attaquer avec cette petite séquence, enfin petite parce qu'elle n'est pas si longue que ça. C'est donc un de mes derniers tutos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je montre 3 astuces de montage d'ailleurs. Donc, si jamais Pauline, ça peut te servir à cette vidéo qui est dispo sur la chaîne. Oui, c'est vrai que vous progresser, allez voir. Bah, ta chaîne, elle est hyper cool pour les débutants et tout. Il y a plein de tutos prise en main de Premiere et tout qui sont chouettes, donc n'hésitez pas. Et donc, du coup... Est-ce qu'il y avait beaucoup de nouveautés cette année? Excuse-moi. Pardon? Est-ce qu'il y avait beaucoup de nouveautés cette année en vidéo? Alors, en vidéo, je trouve qu'on a eu des années qui ont été un peu plus fournies. Et j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal bossé aussi sur le workflow, en fait, chez Adobe.
Et notamment bon, sur Adobe Sensei avec les nouvelles technologies. Je pense qu'une des plus grosses nouveautés qu'on a dans Première, ça va être la transcription automatique avec le sous-titrage. Et ça, vraiment, c'est un truc de dingue. On verra aussi le sous-titrage un petit peu plus tard. Parce que je trouve que le nouvel outil de sous-titrage est tellement plus intuitif, tellement plus intelligent. Mais je vous montre ça après. On parlait tout à l'heure sur le live de Franck, par exemple. Je vais vous montrer un premier truc. On parlait tout à l'heure des proxys. Et pour rappel, les proxys, c'est des copies en fait, basse définition de vos images, de vos rushs, que Premiere va coller ouais. par-dessus pour que vous puissiez avoir une prévisualisation plus légère, plus facile à lire quand vous êtes sur Premiere. Très pratique quand vous montez, par exemple, sur un ordinateur. Un ordi portable qui supporte Premiere, je veux dire, ils sont de moins en moins nombreux, soyons honnêtes, hein, parce que Premiere devient de plus en plus gourmand en termes de RAM et de processus, etc. Mais même quand vous êtes sur une machine, c'est ce que je disais aussi dans les commentaires du live de Franck, même quand vous êtes sur une machine fixe avec beaucoup de RAM, etc., vous n'avez jamais que le rush à lire, vous avez aussi des effets, vous avez du texte, vous avez des graphismes, vous avez... beaucoup de choses en fait qui viennent s'accumuler là-dessus. Donc avoir des proxys, c'est assez cool. Les proxys, bon, je vais pas revenir trop en détail dessus, mais en gros, clic droit dessus, doublure, créer des doublures. Donc on appelle ça des doublures hein, en français. Et après, vous choisissez votre préconfiguration et vous les envoyez dans Media Encoder et ça se fait tout ça. Pour les activer ensuite, une fois que vous êtes dans Premiere, vous avez cette petite icône-là. Activer ou désactiver les copies allégées. Oui, parce que du coup, c'est les doublures, mais ensuite, c'est les copies allégées. Et ah, donc, ça change de nom. OK. Voilà. On pourrait juste appeler ça proxy. Hein. Mais en gros, voilà. En cliquant sur cette petite icône-là, si elle est en bleu, ça veut dire qu'elle est activée. Donc là, par exemple, j'ai des proxys qui sont activés. Et vous allez voir que... Hop. Alors, attendez, je vais enlever le... Hop. Et vous voyez que j'ai aucun problème pour lire la vidéo. OK. En revanche, si je vais désactiver ça, vous allez voir que au début, c'est pas trop mal. Et en fait, ça se lit bien. Bah après, c'est dès qu'il y a des effets, dès qu'il se passe voilà. des trucs. À partir du moment où il y a des superpositions, en fait, que ça va être un peu plus compliqué. Après, ça, c'est pas des rushs qui sont très... comment dire ? Très lourd dans le sens où je ne les ai pas tournés avec le format maximum que j'ai sur mon GH5. Justement, ouais. Je voulais un peu comme ça. Et puis, tu as un mode ordinateur aussi fixe, voilà. Avec de la bonne RAM et tout. Donc... Mais ça, c'est clair, c'est un super bon rappel. Quoi. Alors, par contre, je parlais des proxys parce que j'ai découvert un truc pendant Adobe Max qui est très très cool. Il s'appelle Effectuer le rendu et remplacer. On a ici là, la nouvelle intro de la chaîne que j'ai faite, qui est un objet graphique essentiel d'ailleurs. Que j'ai adoré programmer. On va regarder ça plus en détail, mais on n'a qu'une heure ensemble, donc on fera ça rapidement. Et en gros, j'ai, par exemple, dans mes objets graphiques essentiels, j'ai donc mon animation et plusieurs éléments que je vais pouvoir modifier. Donc là, par exemple, je peux modifier le titre. On va faire titre vidéo random. Voilà. Hop. Et vous voyez que ça me met mon titre à jour et mon animation va continuer de. Mettre à jour et de faire comme avant. Je peux venir changer. Alors là, j'ai fait un truc. Voilà. Je peux venir changer les couleurs. Là, par exemple, la couleur du petit onglet ici. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Et le side color, c'est la couleur du. On va le mettre en turquoise. Voilà. Et j'ai même fait un petit menu déroulant où, en fait, on a plusieurs. Section en fait que je peux sélectionner, c'est-à-dire que des fois je vais faire des podcasts, donc je vais sélectionner podcast. Parfois je vais être sur Premiere Pro, d'autres fois sur After Effects, Photoshop, Illustrator, par exemple After Effects, voilà. Et j'ai toujours mon animation qui vient se faire. Mais là, on a un petit problème, c'est qu'à chaque fois qu'on lit le truc, voilà, c'est pas super fluide. Là, on vient de passer 3 secondes de vidéo, eu une image, voilà. Ok. Le problème, c'est que de faire un proxy de ça, ce n'est pas très intéressant dans le sens où si jamais je viens changer quelque chose, il va falloir que je le refasse et que je supprime mon proxy et que je revienne. Voilà. Sauf que si vous faites un clic droit sur cet élément-là,
Il y a une petite fonction ici qui s'appelle « Effectuer le rendu et remplacer ». Et là, de la même façon que pour faire des proxys, il va vous demander des trucs. Donc, source, séquence. On peut choisir si on fait du DNX, du MXF. C'est relativement la même chose, je ne vois pas la différence. Ou du QuickTime. Je suis sur PC et pourtant, je vais choisir QuickTime et je vais vous expliquer pourquoi. Et après, je vais venir choisir l'Apple ProRes 4444. Pourquoi moi, je choisis QuickTime parce que je ne connais pas les autres. Hein. Soyons honnêtes. Oui, mais moi, je le fais en toute connaissance de cause. Là, elle est la différence. Mais pourquoi je vais choisir l'Apple ProRes 4444? C'est parce que sur cet élément d'animation que j'ai fait, il y a une notion d'alpha. C'est-à-dire qu'il y a de la transparence qui est prise en compte et que l'Apple ProRes 4444, c'est le seul format qui prend aussi l'alpha dedans. Donc, si je veux que je puisse voir mon animation telle qu'elle est censée être avec la vidéo en dessous, etc., je vais choisir celui-là. Donc, je vais faire hop là, Apple ProRes, analyse du projet, transcodage des médias et il va me faire le rendu et il va remplacer directement l'élément. Donc là, tant que je n'ai pas besoin de changer mon truc, tout va bien. Il y a une araignée qui remue en face de moi. Heureusement que je ne suis pas arachnophobe. Si vous me voyez faire cette tête-là, c'est que on se fait une... Non, moi, je ne tue pas les bêtes, mais vous quand même. Allez, va-t'en. C'est l'heure du live. Bon, ça transcode. Et donc, du coup, quand on va le rejouer après, vous allez voir qu'en fait, l'animation se joue très fluidement, en fait, enfin très bien en soi. Voilà. Et alors déjà, petit truc que vous remarquez, c'est que mon élément, il était en rose. Je suis juste là. Et maintenant, il est passé en violet. Et quand je vais dans mon panneau objets graphiques essentiels, vous voyez qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un élément que je peux modifier, c'est vraiment un élément vidéo à part. Okay. Mais, hop, je lis. Hop. Et là, vous voyez que déjà, on voit toute mon animation telle qu'elle est censée être, etc. J'ai ces trucs de comment ça s'appelle ? Alpha, qui me permettent d'avoir la transparence, etc. Et ça va, enfin, cet élément-là ne dépend pas des proxys. C'est un truc complètement différent. J'en parle avec les proxys parce que c'est un peu le même concept, entre guillemets, mais ouais, ça ne marche pas de la même façon. Ouais. C'est-à-dire que si je désactive mes copies allégées, vous voyez que j'ai toujours cet élément-là. Il n'a pas bougé, tu vois. Si jamais j'ai besoin de faire une modification dessus parce que je me rends compte qu'en fait, la couleur, ça ne va pas, que le titre, j'ai fait une coquille, etc., je vais pouvoir venir dans toujours clic droit et juste en dessous d'effectuer le rendu et remplacer, il y a restaurer les éléments non rendus. Okay. Je vais cliquer là-dessus et directement, ça me ramène mon objet graphique essentiel avec les éléments que je peux modifier, les couleurs, etc. Et vous voyez que d'ailleurs, mon élément est redevenu rose pour correspondre justement à la couleur initiale de l'objet graphique. Et du coup, ça prend vraiment moins de temps que de lancer un rendu. Enfin, tu vois, c'est si eh ben, tu en fait, le play et que la barre elle devient plus rouge. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que ça te permet... En fait, le problème, c'est que si jamais, à un moment, je me dis, je vais rajouter un truc, tu vois, genre en mode, je ne sais pas, je vais faire un blanc ici, je vais mettre comme ça, tu vois, et je fais n'importe quoi, hein, jamais je vais faire ça, mais voilà, je veux mettre un blanc. Ma barre de rendu, elle va revenir à zéro, elle va revenir en rouge parce que j'ai rajouté quelque chose en plus. En fait, il va falloir que je relance un rendu juste pour cette connerie-là. D'accord. Alors que avec le rendu que j'ai fait de base, ouais, t'es tranquille. Je peux rajouter des trucs dessus. Le truc de initial n'a pas besoin d'After Effects pour calculer, etc. Tu vois, en fait, non. Et donc voilà. C'est un peu l'intérêt de ce petit truc-là, parce que c'est non seulement je trouve que ça fait gagner du temps, ça permet de... et même en fait, à l'export, ça vous permet de gagner du temps dessus, parce que du coup, ça ne va pas rendre tout le truc depuis After Effects, jusque dans Premiere, ça fait gagner quand même
vraiment beaucoup de temps. Ah, ouais, écoute, c'est un bon. C'est Il vraiment, j'ai découvert, c'est une astuce que j'ai découvert pendant Adobe Max et j'ai vraiment adoré, quoi. Hop. Non, je ne vais pas répondre. Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? J'ai envie de vous montrer. Alors, on va passer sur une autre séquence. Ça, c'est la séquence, par exemple, de notre dernier court-métrage avec Anaïs, ma pote Anaïs, sur lequel nous avons remporté le prix d'interprétation. Donc, on était Ouh contents. là Eh ben là! ouais, hein, tu Où vois. est-ce qu'on peut le voir en entier? Il est, alors, en entier, il est sur Instagram. Je l'ai mis sur LinkedIn aussi. C'est pas. Alors, attendez. Hop. Parce que j'ai mon collègue qui m'appelle et ça a l'air important. Attends. Lui envoie juste un message. Parce que. Voilà, Alors, ça, c'est le problème laissons pas quand le colloque à je la rue. suis en plein live. Hop. Live. Voilà. Ah oui, c'est Envie quand? de venir et de. Voilà, et le problème, c'est que du coup, je peux pas, je sais pas exactement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Ah oui, on va simplifier cette séquence, parce que là, vous voyez qu'on a une séquence qui est quand même, qui reste propre, hein, mine de rien, mais je pense que ça peut être plus simple que ça, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs, il y a plein de trous, il y a plein de trucs. Supposons. Que cette séquence, je veux l'envoyer à mon étalonneur. Alors, j'ai mon étalonnage qui est ici. Donc, à la limite, je vais aller chercher la version 5, la dernière version de montage. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est la dernière version avant d'envoyer à l'étalonnage. Je vais vouloir simplifier cette séquence parce qu'il y a beaucoup trop de choses. L'étalonneur, il n'a pas besoin d'avoir les graphiques, il n'a pas besoin d'avoir les effets spéciaux, il n'a pas besoin d'avoir les transitions et ainsi de suite. Donc je vais aller dans séquence et en bas, on va pouvoir faire simplifier la séquence. Et à partir de là, je vais pouvoir enlever pas mal de choses. Déjà, je vais fermer les espaces verticaux sur les pistes vidéo. Ça veut dire que tous les vides en fait en vertical. Ça va tout ramener vers le bas de la séquence. Aplatir les éléments à caméra multiple, ça, on n'en a pas dans ce cas-là, donc ce n'est pas nécessaire. Et supprimer de pistes vidéo audio les deux. On va supprimer donc les pistes vides. On va supprimer les images. On va supprimer tout ce qui est et désactivé. Les éléments hors ligne, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va supprimer les éléments avec un libellé. Rose, par exemple. Parce que du coup, les libellés rose ici, c'est tout ce qui est composition liée avec After Effects. Et je vais cliquer sur simplifier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous allez simplifier la séquence, première va créer va dupliquer votre séquence avant de la simplifier, de façon à pas détruire votre travail et que si première fait pas un truc comme il faut, au moins vous perdez pas votre la séquence de travail. Par exemple, là, je vais appeler ça V étalo et on simplifie. Voilà. Et là, déjà, on a une séquence qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux, trois trucs qu'on remarque. C'est que j'ai une piste ici qui est verrouillée. Et du coup, tous ces éléments-là ne sont pas redescendus en bas. C'est pas très grave en soi. Et c'est un truc à savoir, c'est-à-dire que si vous avez une piste de verrouillé, ça va jouer comme un sol en fait quand vous allez simplifier votre séquence. Tu vois, si je te montre, on va juste refaire la manip et je vais déverrouiller cette piste et vous allez voir ce que ça fait. Simplifier la séquence avec les mêmes réglages. Hop. Question de noob, un étalonneur, tu lui envoies ton fichier première du coup? Ah non, du tout. Lui envoie Il y quoi? a plusieurs façons de travailler avec un étalonneur, par exemple. Ok. Alors, je vais vous prendre la séquence que j'ai envoyée à l'étalon. Étalon. Du coup, ma séquence pour l'étalonnage ressemble à ça. On va enlever le son. On n'a pas besoin. Donc, en gros, il y a ça. C'est-à-dire que je n'ai que les rushs bruts, sans effet, de mon montage. À l'image près, etc. C'est très important parce que si tu as un décalage d'image, derrière, c'est
Bah, pas du tout, quoi. Donc, faut bien vérifier ensuite que du côté de l'étalonnage, il y ait suffisamment de matière et qu'il étalonne bien le nombre d'images précises dont tu vas avoir besoin derrière pour refaire tes effets, etc. Il y a un peu de travail hein, de calcul, etc. à faire. Voilà. Oui, carrément. À partir de là, il y a deux options. Où je vais exporter ma séquence en un seul fichier, donc une vidéo. Et à partir de là, il y a plusieurs écoles où on va l'exporter en ProRes, où on va l'exporter en MXF, en DLX. Les étalonneurs vont travailler à partir d'un fichier qui est très large, on va dire très brut, avec un encapsulage très suffisamment ample, on va dire, pour rajouter autant d'informations que possible, pouvoir modifier autant de choses qu'ils peuvent. Bien sûr, si vous filmez avec une petite caméra et vous n'avez pas une grosse dynamique de base, ce n'est pas parce que vous lui envoyez un ProRes que d'un coup, il va pouvoir faire des miracles. Il faut aussi, enfin voilà, peut lui envoyer un ProRes, ça ne va pas changer les choses. Il va pouvoir juste travailler à partir d'un truc propre et te rendre quelque chose de propre. Mais si ta dynamique, elle est faible, il ne va pas pouvoir transformer. Enfin, ce n'est pas parce que tu lui envoies un ProRes que ta dynamique, elle va être transformée, etc. Ouais, ok. C'est pas parce que tu prends un JPEG et que tu l'enregistres en TIFF que Que ça va du coup il devenir un devient RAW. JPEG. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, c'est une meilleure analogie. Moi, je fais les analogies Photoshop, que je connais, tu Ça, c'est la première option. Donc, du coup, je lui envoie un fichier unique. Ou alors, je lui envoie un consolidate, entre guillemets, avec ce qu'on appelle une liste EDL. Et en fait, la liste EDL, c'est ici, par exemple, exportation. Et en fait, ce que c'est une liste EDL, c'est une liste de tous les cuts qui ont été faits dans ta séquence. Et en plus de ça, tu vas envoyer les rushes natifs. Donc du coup, je vais envoyer vraiment les sources même du montage. Et lui, dans son logiciel, que ce soit DaVinci ou même parfois, il y en a qui refont leur conformation dans Premiere, il va importer l'EDL. Et l'EDL va aller matcher ça avec les sources que je lui ai envoyées. Et donc, du coup, il va retrouver les coupes pile poil comme il faut. Ok. Voilà, ces deux écoles. L'avantage, c'est que si par exemple, alors là, par exemple, on ne tourne pas en RAW, on tourne en log avec le GH5. Je peux lui envoyer un ProRes, un MXF, etc. Ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si je tourne en RAW, j'ai plus d'intérêt à envoyer les RAW directement, les sources, plutôt que de lui faire un ProRes, parce que même le ProRes par rapport au RAW, ça va avoir une compression en fait. Et Ouais. l'étalonneur, il ne pourra pas faire ce qu'il veut avec. Ok. Un autre truc que je peux vous montrer avec cette séquence-là, ça va être les sous-titres. Hop. Alors, je peux pas. Alors, ça, c'est juste un truc qui est chiant, c'est que la piste des sous-titres, elle est vraiment. Là, vous la voyez, elle est en jaune en haut, là. Et c'est vraiment un truc qui est calé tout en haut du panneau de séquence. Et c'est vrai que des fois, tu as juste envie de pouvoir baisser ça. Parce que de la même façon qu'on peut monter et baisser la séparation entre les pistes vidéo et les pistes audio, la piste sous-titre, tu ne peux pas. Et si tu la zoomes, tu vois rien. Donc ça ne sert à rien de la zoomer, quoi. Eh bien, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le user voice et on râle pour avoir une amélioration la prochaine fois. Donc, il y a Par Alexandre exemple. qui va vous envoyer le lien du user voice. Comme ça, si vous avez envie que une petite amélioration soit prise en compte, c'est toujours. En fait, C'est c'est juste toujours. que c'est très frustrant. Enfin, moi, je trouve ça plus frustrant de ne pas pouvoir. Enfin, ils ont rendu les sous-titres gérables de la même façon que n'importe quelle séquence, n'importe quel élément dans une timeline de Premiere. Le seul truc, c'est que tu peux pas zoomer dedans, tu peux pas l'agrandir, tu peux pas, voilà. Donc en soi, c'est manageable, hein, je veux dire, on va en survivre, hein, mais bon voilà. Donc non seulement ils ont refait tout le truc des sous-titres, hein, j'avais fait une vidéo en juin dernier sur le sujet. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant on peut les modifier très simplement, de la même façon qu'on n'importe quel élément dans son montage. Donc, en fait, c'est comme faire du montage avec des textes, quoi. On peut les retrouver très facilement avec le panneau texte. Juste en cliquant sur le sous-titre, ça vient déplacer ma tête de lecture sur le sous-titre dans la séquence.
Okay. Et si je vais, par exemple, ici, si je suis dans ma séquence et que je vais cliquer sur et que je vais cliquer sur enfin, je vais mettre ma tête de lecture, par exemple, ici, je vois que dans mon panneau de texte, le sous-titre vient suivre la tête de lecture. OK. Ça, c'est très cool pour pouvoir se retrouver dans dans le temps, on va dire, par rapport au Et ça, sous-titre et où est-ce qu'on en est. c'était pas avant. Non, parce qu'avant, Ah. avant, le sous-titre, c'était un élément pour faire tout le sous-titre. OK, d'accord. Et tu avais des espèces de sous-éléments imbriqués dedans OK. et ça ne se retrouvait pas exactement pareil. Là, je trouve que c'est quand même vachement plus intuitif que ce Ouais. que ce dont c'était fait avant. Et vous savez quoi? Je vais juste vous montrer la transcription. Parce que mine de rien, Bah, c'est quand même la grosse nouveauté, Ouais, je l'ai utilisé justement là-dessus. Et non? Et du coup, c'était ça a en été bêta du. depuis quelques mois, et là, Ouais. ça fait partie de la nouveauté officielle. Voilà. Et donc, du coup, on va transcrire la séquence. Alors, SPH Super Heroine Master, très bien. Audio sur la piste. Alors, vous pouvez choisir quel audio vous voulez utiliser. Donc, par exemple, moi, on l'entend. Toutes les pistes son vraiment d'Anaïs qui parle, ça va être sur la piste audio 1. Et on va choisir la langue français. Transcrire point d'entrée sur point de sortie. Bon, et la sortie, ça je ne sais pas ce que c'est. Et donner votre accord préalable à la reconnaissance des voix des différents intervenants. Il y a quasiment qu'elle qui parle, on s'en fout. Allez, hop, transcrire. Et donc du coup, première va analyser tous les éléments audio de la piste A1. Pour pouvoir créer des titres et créer les sous-titres. Non seulement il va les créer, mais il va aussi les découper en fonction du temps. Okay. Et même si ce n'est pas infaillible, c'est-à-dire que des fois, selon les tics de langage, les expressions, les trucs comme ça, etc., Première peut faire des petites fautes, des trucs comme ça. Mais ça reste un gain de temps de. Après, ça prend 2 secondes à corriger en fait par rapport à les faire soi-même et Ah, mais de où? Ah. Créer une transcription. Il n'y a pas de la faire. Alors attends, je vais faire autre chose. Créer une transcription. Qu'est-ce qui s'est passé? Un, si je... On va remettre sur mixage parce qu'au moins mixage, il va tout prendre en compte et il entendra ce qu'il faut. Non, ça c'est magique. Et puis en plus, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, les reels, les machins, les YouTube. Enfin, en fait, on est obligé de mettre Toujours des en train de faire sous-titres des partout sous-titres, quasiment. toujours, Et ouais. c'est une. Avant ça, c'était une prise de tête. Et là, en fait, du coup, ça se fait hyper facilement. Jamila qui nous dit, c'est génial. Et ce qui est génial avec cet outil-là, c'est qu'en fait, les. Ah, merde, attends, je suis. Ce qui est vraiment bien pensé en plus, et c'est ce que Franck a montré tout à l'heure sur son live. C'est que tous les textes, tous les éléments de sous-titres vont être modifiables via le panneau objet graphique, comme n'importe quel texte que vous allez faire dans Première. Et vous allez par exemple pouvoir, si vous avez par exemple plusieurs intervenants, voilà, hop, si vous avez Ouais. plusieurs intervenants, par exemple, vous allez pouvoir créer un style de texte particulier pour cet intervenant-là, et un deuxième style de texte pour l'autre intervenant, et vous allez pouvoir changer ça en fonction des sous-titres. Ça, c'est cool. C'est ça, Donc c'est qu'il là, reconnaît s'il y a 2 voix différentes, par exemple. ouais. Et il attribue les phrases à 2 personnes différentes. Et C'est alors magique, là, hein. tu vois, regarde, j'ai donc le Ça résultat de va ma super vite. transcription. Et si je clique sur les mots, il va déplacer la tête de lecture au moment où il a détecté que ce mot était là. Ok. Voilà, là, si je vais, genre, on va. Alors, elle dit pas recommencer, elle dit commencer. Tout coup. Je vais pouvoir Ouais, corriger mais bon, ça. ça va quand même. Ça va, Voilà. hein. Et en fait, bon, il y a un truc, donc ça veut rien dire, hein, parce que on va commencer moteur ce thème, c'est juste parce qu'on s'enchaîne des phrases, etc. Mais bon, on va cliquer sur ce bouton, création de légende, et là, on se retrouve avec une nouvelle interface, et comme créer à partir de la transcription de la séquence, ok, donc c'est littéralement ce qu'on voulait faire, on veut créer des sous-titres, on peut choisir quel format, sous-titres, style, on n'en a pas. Longueur maximale en caractère, c'est-à-dire que c'est combien la durée d'une ligne, on va dire, avant qu'il fasse Nom un retour à la ligne, de voilà. lettre.
Durée minimale en secondes, par exemple, on peut réduire ça. Je ne veux pas que ce soit moins de 2 secondes. Et écart entre les sous-. Hein, ligne simple ou double. Enfin, voilà. Si je fais simple, par exemple, il va couper plus, mais il va y avoir à chaque fois une ligne. Il n'y aura pas de double ligne sur mes sous-titres. Et il va créer et découper tout ça tout seul. Et vous voyez qu'on retrouve quasiment la même piste. Deux, trois trucs changés. Mais on retrouve la même piste de sous-titres qu'on avait tout à l'heure. C'est magique. Et aussi, bah, du coup, on avait fait une session pour parler de ça avec Atom quand c'était encore la bêta. Et il y avait une option que j'avais trouvée hyper cool. C'est qu'en fait, je crois que c'est dans rechercher. Tu peux rechercher des mots. Oui. Et ça te retrouve les mots. Oui, c'est ça. Donc, soit par les exemple, remplacer. Si je cherche super, voilà. Il va me trouver toutes les instances où il y a écrit super dedans. C'est trop cool. Et du coup, moi, j'avais dit, bah, par exemple, ça peut être hyper pratique quand tu fais plein de prises et d'avoir un mot genre à la fin d'une prise pour dire, OK, celle-là, c'était la bonne. Genre, tu dis, patate, oui, tu dis ça, et à chaque fois, dès que c'est écrit patate, bah, tu sais que la prise, celle-là, c'était la bonne. Alors après, là, tu vois, l'intérêt, c'est que non seulement tu peux retrouver des mots assez facilement comme ça, mais tu peux aussi les remplacer. Si je viens cliquer sur remplacer ici, ouais. Remplacer par, on va remplacer super par hyper, par exemple. Okay. Et j'ai deux options. C'est où je remplace. Donc, ce premier bouton va me permettre de remplacer l'instance que j'ai sélectionnée ici. Donc là, le titre 21. Ou remplacer tout. C'est-à-dire, toutes les fois où il y a super, ça va devenir hyper. OK. Donc là, par exemple, si je fais remplacer super, hop, tu vois qu'il est devenu en hyper. Hyper héroïne. Si je fais, voilà, celui-là peut être non, hop, super, remplacer, le suivant, j'ai pas envie, hyper, super, voilà, tu vois, hop, hop, et ainsi de suite. Et si, donc par exemple, c'est super pratique, si par exemple, vous êtes dans une interview, vous avez mal orthographié le nom de quelqu'un et que ce nom revient plusieurs fois dans la conversation, vous avez écrit Thomas, par exemple, sans le H, vous allez juste écrire Thomas, tel que vous l'aviez orthographié, et vous allez pouvoir tout remplacer avec Thomas avec un H directement. Ouais, c'est hyper cool. Ouais, ce nouvel outil, il a vraiment été bien pensé, quoi. Ouais, carrément. Et comment on fait pour les rendre jolis, pour mettre notre petite typo à nous et, Alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir modifier l'apparence de nos textes, comme n'importe quel autre texte dans Première, en fait. Donc, ça va se passer dans le panneau objet graphique essentiel. Et tu vois, genre ici, texte, moi, on va dire qu'on va mettre Orbitron, par exemple. Je le veux en full caps. Et on va lui mettre un contour bien chum en vert, là. Hop. Et ah ouais. Avec le fond noir. Voilà, c'est pas... On est ailleurs, là. Et je peux continuer de jouer un peu là-dedans. Les contours, par exemple, si j'ajoute un plus, je peux ajouter un deuxième contour. Je vais mettre, par exemple, en rouge. Aussi encore. Ouais, c'est pas déconnant, parce que des fois, voilà. Bon, là, t'as une barre noire, mais des fois, si le sous-titre, il est sur un fond qui change de couleur, ouais. De contour, c'est pas déconnant. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, par exemple, supposons que ça, c'est un truc que avoir sur tous mes sous-titres, je peux dans style de la piste et créer un style à partir de celui-là. On va dire hachi, voilà. Et je vais venir dans ma séquence. Si je sélectionne tous les éléments de sous-titres de la piste, vous voyez que mon panneau objet graphique essentiel, il n'est pas vide. Je peux toujours faire des choses dessus. Le seul truc, c'est que là, ah non, et là, il a échangé tout. Je peux, par exemple, choisir aucun et je peux changer totalement. Hop, hop. Plan avec un arrière-plan noir. Hop. Là. Et celui-là va être comme ça. Le suivant va être différent, tu vois. OK. Ouais. Si je fais celui-là, des fois, ça peut être cool pour ton changement de personnage, justement. Ouais.
Oswald classique, par exemple. Ouais. Hop, si. Ouh, ça y est, il m'a refait un truc pour tout. Ah non, mais c'est le style de la piste, c'est pas le style du texte. Ah, ok, donc tu changes tout, ouais. Donc à chaque fois, en fait, le style de la piste, tu vas le changer. Tu peux mettre deux pistes tout de suite. Alors, tu peux faire deux pistes de sous-titres, effectivement. Par exemple, ajouter une piste. Hop, OK. Ok. Et le problème, c'est que tu ne peux pas afficher les deux en même temps. Et Ah, ça, c'est non. peut-être le seul truc qui, je pense, pourrait être amélioré, c'est que justement, un des intérêts de pouvoir avoir ce genre de workflow, on va dire, en sous-titres, c'est aussi, par exemple, d'avoir un sous-titre, une piste par personnage. Ouais, c'est ça, avec les styles différents. Et de pouvoir, tu sais, vraiment l'étrier rapidement et justement pouvoir changer ben, le style de la piste. Parce que tu vois, par Ouais. exemple, alors là, je peux faire un dupliqué très simple comme ça. Et ici, le style de cette piste-là, on va dire que c'est Oswald Classic. Et Ouais. d'une à l'autre, tu vois, ça change. Là, je vais Carrément. éternuer, pardon. Ah, éloignez-vous de vos écrans. Enlevez vos écouteurs. Non, c'est bon. Ça me pend au bout du nez, mais ça ne sort pas encore. Bon. Tu vas voir, ça va faire un peu surprise. Et du coup, en fait, c'est hyper intuitif et ça paraît logique que ça fonctionne comme ça. Et avant, les sous-titres, c'était pas aussi facile, quoi. Les sous-titres, en fait, avant, je te le montre avec ce Elle est calque d'effet, correcte. par exemple. Tu avais un calque comme ça sur toute la durée. Ouais. Et à l'intérieur, tu avais des petits morceaux Il y avait des sous-titres. morceaux gris, là. Hein. Et en fait, si tu voulais bouger les trucs, il fallait vraiment que tu les attrapes bien, etc. Alors que là, tu vois, genre, tu Ouais, l'attrapes. Et ouais puis c'est même, comme une piste, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment comme, Ok. c'est comme faire du montage, en fait. C'est beaucoup plus. Mmh. T'as testé, il y a aussi l'option, il y a aussi traduction automatique, il me semble. Alors, j'ai pas testé la traduction automatique, mais je pense qu'on a quand même bien fait un tour sur les. Je pense que tout le Ouais. monde en entend parler tout le temps. Ouais, Donc on va carrément. passer Mais du sur coup, autre chose. sachez qu'il y a aussi la traduction automatique, si vous voulez. Mais même, vous pouvez faire la traduction automatique, enregistrer le fichier sous-titre et l'envoyer sur YouTube directement, par exemple. Et comme ça va mettre toutes les langues différentes dans YouTube. Enfin, c'est hyper pratique, quoi. Voilà. Alors maintenant, Alors, j'ai envie de est-ce que vous c'est la montrer une suite du petite programme? astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Hop, on va faire un petit truc. On va dire que j'ai envie que cette image-là, donc c'est une photo, je veux garder ces contours blancs autour, ce cadrage-là me va très bien, mais j'aimerais que l'image fasse un petit zoom dedans, tu vois. Petit zoom dedans, ouais. J'ai plusieurs options pour faire ça. Soit je fais un. Je mets ça la vidéo 3 et là encore c'est un peu étrange parce que justement l'incrustation cache de piste pas toujours là et puis ça marche pas vraiment exactement. Ouais, bref, c'est pas le meilleur truc. J'ai trouvé une petite astuce pour recadrer tranquillement et faire un mouvement sans bouger le cadre. On va utiliser deux effets. D'abord le recadrage. Logique. Et le deuxième, ça va être transformation. Et ce que c'est l'effet transformation, c'est vraiment tout con, hein, c'est la même chose que la trajectoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger la position, l'échelle, par exemple, l'échelle, la rotation, l'opacité, les trucs comme ça. En soi, vous allez me dire, bon, pas beaucoup d'intérêt, quoi. Faire avec la trajectoire. Sauf que là, si je viens c'est la transformation au-dessus du recadrage, c'est-à-dire je mets ma transformation avant le recadrage. L'ordre dans lequel vous mettez vos effets, que ce soit dans Premiere, Photoshop, Illustrator, After Effects, tout, ça a une importance. Parce que la façon dont ça va être calculé va être de ça. Et là, par exemple, transformation, juste. Échelle
Et tu vois qu'en fait, comme j'ai le recadrage juste après, le recadrage, lui, va venir définir le cadre dans lequel l'image ne doit pas bouger. OK. En revanche, donc là, par exemple, je bouge l'échelle de la transformation. Vous voyez un Ouais. peu que ça reste dans le cadre. Mais si je bouge l'échelle de la trajectoire, vous voyez que c'est l'ensemble du calque qui bouge. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'on utilise l'effet transformation. Ok. Ou Cool. par exemple, hop, petite animation, vas-y, point clé là, hop, hop. Là, comme ça, hop, hop. Ouais, tu peux même bouger dans l'image. Et rien que comme ça, on s'est fait un petit poste, on va dire, avec un petit design, avec un contour, un passe plat, non, pas un. Dans les cadres là. Un passe-partout? Un passe-partout. Ça passe sur les Ah, me cadres. regarde pas comme ça, c'est ton passe-partout. Pour moi, passe-partout, c'est Ah le gars qui a les clés dans Fort Boyard, tu vois, donc c'est pas bizarre. oui, non, mais oui, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Voilà, mais bon, donc du coup, Bizarrement, voilà, c'est un petit truc assez simple et qui permet aussi de garder cette animation sur un seul calque et une seule piste. Contrairement à l'option où on va faire un truc avec un cache, incrustation cache de piste, etc., où tu as besoin de au moins deux pistes. Et pour peu que tu bouges ton élément, il va falloir que tu re-règles encore toute ton incrustation cache de piste parce que c'est en fonction de la vidéo, pas d'un élément. Enfin, c'est. Bref, j'étais Similaire. content quand j'ai Et du trouvé coup, cette astuce parce que ça fait gagner du temps. est-ce que tu peux l'enregistrer ton cadre là, comme ça tu l'utilises pour d'autres fois pour tes autres projets? Est-ce qu'il y a un moyen tu vois, de même pas avoir à se prendre la tête et on sait qu'il est là et ça devient un preset? Alors, on va faire des presets d'effets. Ce preset-là, particulièrement, pas forcément, parce que tu vois, ça dépend. Enfin, ici, on l'a cadré comme ça. Et tu vois, c'est juste qu'on a mis cette image-là à 80% de son échelle. C'est comme ça qu'on a ce cadrage-là, tu vois. Ok. Ah ouais, ok. Donc Si je ici, une mets autre une autre, image, ça voilà, tu vois, si je mets une change autre image, ça, c'est quoi? Voilà. Elle. Ça, si je le mets à 80%. Bah, ça va pas du tout avoir la même chose. quelque chose. Ouais, Voilà, donc petite astuce quand vous avez par exemple des photos réanimées et qu'il faut qu'elles doivent rester par exemple dans un cadre particulier, pas empiéter chose, ça peut être très pratique. Ce qui est, enfin, on l'a pas fait, mais vous pouvez aussi venir recadrer, hein. Si je fais ça, hop, hop, hop. On reste toujours sur le même type d'animation. Enfin. carrément. Non, non, c'est hyper cool. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, je ne vais pas vous les montrer. Je pense qu'on a fait un bon petit Non, tour sur phase en première. Il nous reste quoi? Il nous reste une vingtaine de minutes. On va passer un peu dans After. ouais, c'est ça. Allez, on va s'amuser Allez. un peu dans After. Et les shockwaves. J'adore les chocolats. Et alors j'ai reçu, je voulais tester un truc. J'avais vu le clip de League of Legends, Burn It All. Et en fait, il y a un moment où il y a un mec qui fait un espèce de bouclier et le bouclier se pixelise en fait au fur et à mesure. Et j'étais obsédé par ça. Et je voulais absolument essayer de recréer l'effet. Tiens, en parlant de League of Legends, est-ce que tu as vu Arcane? Non, pas encore, Ah, il mais faut tout le que tu. monde en parle. Ah, écoute, incroyable. L'animation est trop belle. La narration est vraiment trop cool. Hier soir, j'ai vu le troisième épisode. J'étais en larmes. Vraiment, Ah oui, j'en voilà. peux plus. Mais en plus, je trouve que le montage est vraiment intéressant parce qu'il apporte plusieurs choses, en fait, que ce soit dans la psychologie des personnages, mais aussi dans la narration. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. J'adore. Je veux dire, jamais un jeu qui m'a aussi peu tenté m'a donné autant de hype avec son univers, juste avec sa com, quoi, tu Ok. Est-ce vois. que vous l'avez vu dans le Qui chat? a vu Arcane? Qui a vu Arcane? Parce qu'en vrai, moi, je Voilà. suis limite en train de me chauffer à faire un tuto sur comment faire les effets autour de Jinx, là, avec les écritures, les trucs, le glitch et tout ça. Carrément. Parce qu'en plus, ça glitch de partout. C'est ça qui me fait kiffer aussi, tu Ah bah. vois. Non, trop cool.
Mais bon, pour revenir à mon histoire de Shockwave et pour revenir à deux, trois trucs qui. Oui, Joël, c'est un studio français en plus qui fait produit Ensuite, Arcane. allez. Ouais, c'est un studio qui il me semble, ça s'appelle. Attends, je vais le retrouver, je vais te dire ça vite. Ouais, Filouterie? Non, je ne sais plus. Attends. Hop, carrément. hop, hop. Bah, Fortiche. Fortiche Production. merci. Voilà. Alors, donc du coup, pour revenir à cette histoire de Shockwave, et je vais vous montrer deux, trois trucs aussi par rapport à After. Parce que After Effects, en termes de nouveautés, il n'y en a pas. Ce n'est pas des nouveautés, on va dire, qui révolutionnent un peu Ah ce qu'on va pouvoir oui. faire par rapport à l'an dernier. Parce que l'an dernier, par exemple, ils ont vraiment remodifié tous les calques de forme et c'était vraiment un truc de ouf. L'année dernière, il y avait Rotobrush 2 aussi, non? Ouais, exactement. Ouais, qui était balèze, Cette ouais. année, ils se sont plus concentrés sur, par exemple, le rendu et l'efficacité de rendu dans After. Ok. Donc on va voir ça après. Donc là, par exemple, j'ai suivi un peu le tuto de Video Copilot pour refaire un Shockwave. Et après, je me suis dit, OK, j'ai envie que Shockwave, il soit quand même pixelisé. C'est ça un peu l'idée. Alors, je vais essayer. Pose là. Hop, Les hop, hop. glitches, c'est cool. Hop. Et t'as déjà testé ou pas les outils de collaboration? Alors, je ne travaille pas suffisamment avec suffisamment d'équipes pour vraiment les utiliser, mais je les connais, je les vois et j'ai juste hâte d'avoir des projets énormes Ouais. pour pouvoir les utiliser en fait. Mais j'ai vu un peu des trucs à Adobe Max justement sur la collaboration, sur comment tu pouvais glisser. Alors, ne Ouais. serait-ce que la collaboration entre logiciels. Par exemple, en ce moment, Ouais. je travaille sur un truc où j'avais besoin de faire des visuels, par exemple, là, tu vois, genre des circuits que j'ai designés dans Illustrator et que je peux venir importer dans After. Et par exemple, à partir de ça, comme c'est du. Non, pardon. Comme c'est du vectoriel, je peux recréer des formes à partir de ça et modifier pas mal de choses. Donc, tu vois, là, par exemple, mettre en blanc, hop, tu vois. Si je veux, blanc aussi, là. Et je vais pouvoir, par exemple, le modifier, donc utiliser l'outil plume. Et en fait, à partir d'une forme que j'ai faite dans Illustrator, quoi. Et tout ça à Ouais, partir d'une c'est cool, hein. bibliothèque. C'est vraiment trop, trop cool. Ouais, ça devient plus fluide. Bah, pour ceux qui sont curieux, il y a la collaboration qui s'est lancée sur Photoshop qu'on a testée hier avec vous et Alison en direct. Il y a un petit lien qui traîne avec un fichier que tout le monde peut éditer, donc je vous le conseille. On s'est bien marré, voilà. Donc la collaboration dans Photoshop aussi, c'est cool, c'est nouveau. Alors, je reprends cette affaire. Alors, ici j'ai un shockwave. J'avais mis en alpha. C'est ça, C'est marrant, luminance ça inversée. ressemble à un œil. Parce que j'ai mis un autre shockwave. Enfin bon, voilà. Je vais coller pas mal de choses. La première chose que j'ai faite là-dessus, c'est que j'ai boosté un petit peu les niveaux de façon à ce que le niveau de gris soit un peu plus contrasté et que là où j'ai des pixels, c'est vraiment les endroits les plus lumineux, on va dire, du shockwave. Et en même temps, augmenter un peu les noirs. Enfin voilà, tu vois, si je. Là, tu vois, je le réduis encore un peu. Donc là, je vais avoir encore moins de pixels, mais ça va être. Voilà. J'ai fait un seuil pour un peu détruire le truc et ne avoir le moins de dégradés possible. C'est-à-dire que y a du pixel où il n'y en a pas, c'est pas autrement. Tu vois? Okay. Et le dernier effet que j'ai mis, c'est une mosaïque. Bah justement, Ah, et ça te fait un effet pixel direct. voilà. Et en fait, la mosaïque, je peux la régler, hein, tu vois, je peux la mettre encore plus fine si je veux. Hop. Ok. Et tu vois que rien que là, boum. Rien que On là, j'ai dirait du vraiment juste pixel art assorti, qui bouge. boum. Et d'autres effets dans cette carte. Là, j'ai un deuxième shockwave derrière, où j'ai, pareil, remis une mosaïque, mais j'ai pas trop, trop modifié, le reste, dans le sens où tu vois que celui-là. Ça fait plus un effet. On a masqué le visage de quelqu'un, tu vois. Voilà. Et donc en fait, j'ai joué un petit peu avec
les effets, hein, j'ai reproduit un petit peu les effets différemment, etc. Et j'ai remis ma shockwave initiale pour rappeler que c'est quand même un base. Hop là. Et donc, du coup, boum. Et j'ai fait un autre truc. Alors, c'est, je crois que c'est le calque de forme. Ouais. Donc toi, tu le voulais, cet effet pixelisé. Ouais, c'était voulu. Et tu vois, j'ai ce calque de forme ici, là. Et en fait, c'est juste, hop là, un cercle grandi avec un contour en tiret et qui disparaît. À ça, j'ai mis pas mal de flou, un bruit fractal pour le rendre un peu aléatoire aussi, tu vois, histoire que ce soit pas très régulier. Et on a remis une mosaïque pour le repixeler. Et tu vois, ça nous fait une espèce de un morceau de shockwave qui est un peu différent, tu vois. Voilà. Et tu vois, c'est l'espèce de traînée en fait d'énergie qui reste derrière, quoi. Et j'avais essayé ça sur un de mes sur un rush que j'avais fait où par exemple là c'était juste moi qui levait les mains et donc du coup ça faisait tout ça. Et là, hop là. Et en fait, il y avait des balles, des tirs qui arrivaient et qui. Ah ok, ouais, c'est super cool. Voilà. Et en fait, c'est à chaque fois, c'est le même shockwave, hein, tu vois. Piu, Boum. piu, Voilà. est-ce que ça peut marcher pour faire genre des trucs à la surface de l'eau ou dans un effet comme ça, tu vois? Ça me rappelle ça aussi. Ça pourrait, Ouais. ouais. Ça pourrait, d'autant plus que. Alors là, je vais vous montrer un truc. Regardez bien autour de ma tête de lecture. Je ne vais pas toucher ma séquence, je ne vais rien faire pendant 3 secondes. Et là, vous voyez que After est en train de commencer à rendre ma séquence, ma composition, au fur et à mesure, parce que y a un peu d'inactivité. Et ça, c'est justement une des nouveautés qu'on a dans After cette année, c'est que After va commencer à, si tu vois que tu fais rien, va commencer à rendre la séquence, la composition, pour justement, au moment où tu reviens dessus, va pouvoir la lire rapidement. Ça peut être un million de choses, c'est-à-dire que tu arrêtes de travailler dessus parce que tu prends un appel, parce que tu vas reprendre un Lors de café, la etc. Voilà. tisane, voilà, tu Le temps que tu reviennes de vois. ton café, ta séquence, ta composition, elle est rendue, tu n'as presque rien eu à faire, tu vois. Et là, tu vois, j'ai déjà quand même la moitié de ma séquence qui a été rendue et je peux la consulter assez facilement, tu vois. Ouais, alors qu'avant, il fallait faire au minima barre d'espace, enfin, il fallait lancer une visualisation, quoi. Donc là, Et tu ça se fait tout vois, seul, c'est cool. voilà. Et là, tu vois, ça te donne. Là, tu as l'idée de ce que c'était un peu le. Ben, ouais, j'avais fait les tirs et tout aussi. Ben, Ça, c'est cool. c'est rigolo, ouais. Je me suis bien éclaté à faire ça. Ouais, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en deux fois aussi, Shockwave, parce que Ouais. j'ai fait un espèce de côté 3D où je les ai décalés dans l'espace, de façon à ce que le premier Shockwave absorbe l'énergie d'abord, et après, il y a le deuxième qui. Si on OK. veut d'ailleurs aller plus loin sur ces... Là, hop. Ça. Ah non, non, c'était... Pardon, j'ai rien fait. Et j'avais fait un truc, et on ne pourra pas le voir ici parce que je pense pas qu'il va vouloir le montrer. Ah si, il peut le montrer. Ouais, mais comme c'est ça, ça va... Comme c'est un énorme truc comme ça va pas le faire. Mais en fait, j'ai fait un mat en fait, avec des calques de forme comme ça. J'ai placé aux endroits où j'avais les shockwaves et que j'ai utilisé pour faire une déformation. Comme si, en fait, genre, vraiment ma bulle de protection, tu vois, elle déforme un peu la vision que tu as autour. Tu vois, c'est bon, c'est pareil, c'est des trucs que Andrew Kramer montre. Et tu vois, on le voit aussi là, la façon dont ça déforme le. Aimant derrière. C'est cool, ok. Ça, c'est plein de détails, c'est plein de petites choses qui font que c'est un truc cohérent à la fin, C'est con que j'ai pas le j'ai plus le rush de base. Et alors un autre truc qui justement dans l'idée de faire ces transformations, enfin c'est un peu plus de visibilité sur la rendue et les rendus dans After. En bas, dans ces petites zones-là, on a un petit escargot.
Et que si on clique dessus, on a un nouveau petit panneau, une nouvelle section qui s'appelle temps de rendu. Et en fait, ce temps de rendu nous indique le temps que chaque image va mettre à rendre. OK. Là, par exemple, la moitié ne sont pas visibles parce que la moitié ne joue pas encore. Là, ils sont tous ici parce que voilà, hop. Et tu vois, là, par exemple, à la fin, celui-là prend beaucoup de rendu. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, même plus. Hop, est-ce que si je. Si. Là, par exemple, tu vois que tu vois très rapidement les éléments les plus. Gourmand, Ouais, voilà, les plus lourds à rendre. Et ouais. sans surprise, c'est les éléments vidéo qui sont externes, on va dire, à Photoshop. À Photoshop, à After Effects, pardon. Tout le reste, en fait, c'est des éléments directs, des précompositions, des calques de forme, etc. Donc, ça prend quasiment aucun temps. Tu J'avoue, c'est vois. hyper pratique en fait. Parce que du coup, t'es pas forcément obligé d'avoir ta précompte d'activer, tu peux juste Voilà. Je la peux, par cacher, exemple, mettre tout en noir simplement et. me dire, bon, ben voilà, tout ce que j'ai besoin de voir, c'est ces éléments-là de Shockwave, juste les activer, et ça va juste rendre ça, et puis voilà, quoi. Et tu Ouais. vois que là, c'est passé en vert. Mais voilà. Ouais. Et en bas, tu as temps de rendu des images, 8,60 secondes par image, du coup. Donc c'est un peu long, mais quand on fait du VFX, forcément, c'est. Avoir la J'ai patience. d'ailleurs rencontré un de Donc, mes voisins très bien. récemment qui en fait a une render farm. Pareil, dans une render farm, j'étais trop fan. C'est fou, le monde est petit. Trop bien. Donc voilà, Mais du et coup, c'est ensuite. des petites choses, mais en même temps, ça aide vachement, quoi. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vrai que du coup, ça te permet de voir assez rapidement. Enfin, moi, je sais que Utiliser maintenant, c'est quelque chose le qui me permet de dire à mes clients aussi, OK, ça va prendre tant de temps pour rendre, donc il ne faut pas attendre ça avant une heure et demie ou un truc comme ça. Tu vois, genre, Okay. ça me permet de faire des estimations aussi de temps un peu plus réalistes par Ouais. rapport à ce que j'annonçais avant. Tu vois, genre, les clients, quand ils me disent, ouais, il faudrait refaire ça, etc. OK, c'est une modif qui prend 5 minutes, sauf que quand j'ai 10 secondes de rendu d'image par seconde et que c'est une composition de 25 secondes, ouais, tu vas attendre un peu, ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est hyper cool, c'est hyper intéressant comme application de ça, parce que du coup, oui, tu peux leur prouver, c'est écrit devant eux. Regarde, ça prend du temps, tu vois. Ça, les clients, ils l'ont toujours su. Le Ouais. truc, c'est que, comme je te dis, c'est que moi, derrière, Va mieux finir, ouais. voilà, c'est-à-dire que parfois, je leur disais 3 heures, et en fait, au bout d'une heure, c'était fait. Ou alors, de 3 heures, ça galérait encore, et c'était complètement. Bloqué ou je sais pas, enfin voilà, donc du coup ça dépasse. Là maintenant, tu vois, je peux vraiment dire à mon client, écoutez, le temps de faire la modif, j'en ai pour éventuellement 25, 30 minutes. Le temps d'exporter, a priori, ça devrait prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc attendez-vous à ce que ça arrive dans 2h15, le temps que je fasse le mail, le. Et puis voilà quoi. Mais. Oh, on a fait de la précision là. Yes. Ouais, ben c'est oui, toujours. Et Joël qui dit, je vois bien Nicolas taper à la porte de son voisin pour savoir s'il peut lui dépanner du lait et de la place sur le render farm. Oui, c'est possible, c'est pas c'est une conversation qui peut se faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer un peu là Intéressant. dans After ou dans Première qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Est-ce que Profil, tu on en avais a d'autres choses parlé, en le tête? pré-rendu On a déjà vu spéculatif. plein de Ah trucs, hein. si, alors attendez, parce que du coup, ce que je vous disais là, que After commence à rendre directement quand on est inactif, je vais vous montrer où est-ce que ça se Donc, on trouve. se fait Donc, une petite édition. tisane. L'After Effect rend tout seul. Est-ce que c'est beau, ça? Ah ouais, c'est ça. Et vous allez dans prévisualisation et mise en cache des images en cas d'inactivité. C'est ce qui s'appelle le pré-rendu spéculatif si vous le cherchez sur le site d'Adobe. En tout cas, dans les nouveautés, quand vous regardez les nouveautés de Adobe After Effects, ça s'appelle le pré-rendu spéculatif. Et donc, du coup, par exemple, vous pouvez mettre 1 seconde si vous voulez, c'est-à-dire que. Ah non, le minimum c'est 2 secondes. Bon. C'est-à-dire que si vous êtes Ok, c'est inactif bien pendant deux pendant 2 secondes. secondes, ouais, Boum, ça il lance va le truc. commencer à faire un pré-rendu de ta composition.
Et il y a Ok. plusieurs options, c'est-à-dire que ou tu fais autour de l'instant présent, c'est-à-dire que ça va se faire autour de ta tête de lecture, ou à partir du début, ou depuis l'instant présent, c'est-à-dire que ça va partir de la tête de lecture et que ça va aller vers la fin, ou à partir du début de la plage, et le début de la plage, c'est cette zone-là. Peu importe où est ton Non, tête de peu lecture. importe où est ta tête de lecture, mais la plage, c'est ça en fait, hein, c'est ces espèces de Okay, poignées que tu as sur les côtés, qui sont un peu l'équivalent des points in et out dans première. Si on revient là, juste pour voir la deuxième, les plages de mise en cache, en fait, voilà, zone de travail par l'instant, bon, pas très très sûr de ce que c'est, durée totale, je pense que c'est juste la totalité de la composition, peu importe la zone de travail que tu as définie. ah ouais. Et puis voilà. Ce petit truc-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. On a Bah fait écoute, un sacré tour on a fait un là-dessus. petit bouquet. Là, par exemple, tu vois, tiens, je vais ouvrir ça là, parce que ça, c'était rigolo à faire. Titrage. Pas très important. Hop. Voilà. Ici, on a chef up. Voilà. Alors, elle parle en même temps. Hop là. Donc ici, on a un petit texte qui apparaît. Et vous voyez que ma composition ne peut pas être plus simple que ça. C'est un calque de texte. Certains d'entre vous vont se dire, mais comment on fait ça aussi simplement? Parce que moi, à chaque fois, il faut que je découpe, je fais des masques, après je coupe, j'ajuste les éléments, etc. Rassure-toi, Pauline, tu n'es pas obligée de faire tout ça. En fait, J'allais le faire, hein, je te promets que j'allais le faire. alors en fait, on va faire. Il y a des. J'avais traité ça un petit peu dans les After Effects Basics. Et de la même façon qu'on peut ajouter des effets et des animations dans les calques de forme, on les a aussi dans les calques de texte. On a un petit menu ici animé. Et ici, on va sélectionner l'opacité, par exemple. Et donc là, l'opacité, je vais la mettre à 0. Et cette animation-là, donc j'ai la propriété qui va être modifiée. Et je vais avoir la sélection de la plage de cette propriété-là. C'est-à-dire que là, si je la mets à 50%, la moitié de mon texte sera visible, l'autre moitié sera invisible en fonction de l'opacité. Si je change l'opacité, tu vois que là, on est à 20%. Voilà, tu vois l'effet. Ouais. Ce qu'on fait du coup, c'est que on va animer juste cette ligne-là, le début, et on va animer, hop, hop, ici, là, on va refaire un point clé là, FE, voilà, etc. Enfin bon voilà. Et donc du coup, vous avez votre animation qui se fait et vous avez juste des petits points clés à faire en fait pour caler au bon moment. On a juste un petit problème par rapport à ça, c'est que notre texte, il apparaît fait de 0 à 100% progressivement. Sauf que sur l'animation que je vous ai montrée là, hop là. Voilà, merci. Tu vois que ça apparaît Lettre par directement. Tu vois, c'est lettre par lettre. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller dans Avancer. Donc, animation 1, sélecteur de plage, Avancer. Et la forme de notre lissage, par exemple, ça va être carré. Donc, ça va. Et on a un lissage de 100%. On va réduire à 0. Et maintenant, pom pom pom, voilà, tu vois que ça s'affiche directement. Ça fait Ok. plus côté machine à écrire. Ouais. Il y a un deuxième truc qui est un peu relou quand tu fais ce genre d'effet, de devoir calculer par rapport à un pourcentage. Là, comme vous voyez, notre début il est à 0%, il va vers 100%, et la fin est à 100%, et ainsi de suite. Sauf que
100%, ça correspond à combien de caractères? C'est pas très parlant. Et ce qui est bien, c'est que dans Avancer, on peut modifier Changer les l'unité de unités calcul, maintenant. pourcentage, vers index. Donc, il y a Ok, d'accord. 27 caractères au total. Et je peux venir animer. Par exemple, ici, je vais mettre 3. Parce que 1, 2, 3, donc il y a le point. Donc, c'est 4 que je veux. Hop là. 1, 2, 3, 4. Ici, on va être à 4. Et ensuite, on va se remettre à chef. Et en fait, on va d'abord faire chef pour. Donc là, 7, 9. Voilà. On va se remettre ici pour faire 3 de plus. 9, 12. Voilà. Et de 12. Hop. Et de 12. On va venir faire la fin parce que ça. Hop là. Hop. Alors, le problème avec l'index, c'est que si. Y a pas, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tu peux, si la fin c'est à 27, le début il peut monter jusqu'à 1 million hein, s'il faut. Voilà. Mais du coup, ça nous permet de calculer un petit peu mieux comment on fait notre effet. Carrément. Eh bien, écoute, beaucoup. On a appris Et plein de trucs. voilà. Et donc, le sélecteur de plage, ça vous allez le retrouver dans n'importe quel type d'animation. Et on peut par exemple, n'importe quoi, on va ajouter une propriété sur cette animation-là. Donc ça va suivre la même sélection. Si je fais une rotation à... Ah oui, mais parce que comme il est en... Pas une bonne idée. On va faire autre chose. On va faire un OK. Ctrl D. On va faire animation 2. Là, on va enlever l'opacité et on va ajouter propriété, rotation, et on va le tourner. Et on va faire appuyer sur U pour ramener tous les points clés. Et on va décaler tous les points clés de la deuxième animation. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, par exemple, tu vas avoir des apparitions en décalé. Tu vois que C'est tu trop bien. as. Voilà. Tu peux t'amuser pas mal avec les calques de texte, de la même façon que tu peux t'amuser avec les calques de forme. C'est assez rigolo. Ouais, carrément, c'est intéressant pour les graphistes et tout qui veulent se mettre tu peux animer leur taf. Ah ouais, c'est. Alors, autant, tu vois, il y a des effets, il y a des presets qui existent dans Premiere et dans After pour le faire automatiquement. Moi, j'aime bien savoir le faire directement parce que je trouve que tu as plus de contrôle derrière. C'est-à-dire que, du coup, voilà, il fallait que j'ai le 1 chef, opérateur, etc., qui soit en même temps que le moment où elles le disent. Parce que c'est Ouais, vraiment une phrase, tu vois. C'est une phrase. ok. Merde, j'ai ouvert. Tu vois, c'est une phrase qu'elle dit. Ok. Et du coup, ça arrive vraiment au moment où elle le dit. Et je trouve qu'en fait, les presets, ça te permet, même si tu peux les régler, etc., je trouve que tu as moins de contrôle. Je trouve ça, enfin, de manière générale, hein, j'ai toujours trouvé ça moins intéressant d'utiliser des presets que de le faire moi-même. Ça me fait toujours marrer de le faire moi-même. J'aime bien avoir les mains dessus. Et bidouiller dedans. Bah, Exactement. écoute, il y a Joël qui nous dit avec les sélecteurs expression, tu peux faire des trucs encore plus fous, genre appliquer une couleur à tous tes E. Oui, Ah, oui, oui, non. oui, Et bah, oui, écoute. oui. Les expressions, c'est un truc de monstre. Je sais, alors, il est déjà 15h. Est-ce qu'on a encore du temps? On a jusque 15h30? On se fait couper à 15, genre ils nous virent. Donc, D'accord. ça, Donc, j'ai tu 8 as minutes 3 pour vous montrer minutes. quelque chose. Alors, voyons, 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 voyons. Est-ce que je retrouve intro tuto? Enregistré. Alors, bien sûr, enregistrez vos projets. Hein. Moi, je ne les enregistre pas parce que ce n'est pas nécessaire, Oui, mais. parce que là, c'est le Un fichier moment. introuvable, voilà. Ou pas, et vous apprendrez avec l'expérience dans la souffrance. Exactement, vous allez souffrir comme il Généralement, faut. il faut Alors. refaire 5 minutes après même. Merde, ce n'est pas celui-là. Il faut que je retrouve. J'ai de. Pas de sous-titrage de. Asset. AE Basics simple. Ah, j'espère que je vais le retrouver. Vraiment la puissance des. Oui, c'est ça. C'est intro simple et au final, c'est devenu un truc pas possible. Alors, là, vous aurez reconnu l'animation de notre introduction YouTube avec ici l'animation de base. Avec tout le petit visuel. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Il y a un truc que j'ai réussi à faire.
c'est que vous voyez tous les petits carrés là en bas sont Ouais. entièrement automatisés. Si je vous montre, d'ailleurs, alors attention, vous allez avoir un peu peur. J'appuie deux fois sur E pour montrer toutes les expressions, mais voilà, j'ai des expressions partout. Ces expressions, elles me permettent, pardon. C'est une vidéo, quoi, c'est du code, c'est fou. Ah ouais, non mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai appelé mon père l'autre jour, parce que je me souviens tellement quand j'étais petit, je lui disais, non mais de toute façon, moi quand je serai grand, je ferai un métier qui n'aura pas besoin de maths. J'ai fait, il faut que Allez. Tu mettes, je suis en train de coder un truc et je ne sais pas comment, genre, enfin. Il me dit, ouais, bah heureusement que tu n'utilises pas de maths dans ton métier. Je fais, chut, c'est pas le moment. Et donc, en fait, j'ai ce calque nul en haut avec un menu déroulant. Et c'est le même menu déroulant que je vous ai montré tout à l'heure dans Premiere Pro, dans les objets graphiques essentiels, qui vient sélectionner le petit encart en fait, sur lequel on va parler. Donc, si par exemple, je fais un tuto sur Photoshop, hop, top, 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 on va avoir la petite animation. Ça va venir. Podcast. Ah, mais non, mais parce que pour la fenêtre graphique essentielle, parce que comme il est. Voilà, hop là, Photoshop, merci. Donc, voilà. Ah, et vous voyez qu'il va venir sur Photoshop. Il y a un truc qui est génial, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comment je fais pour avoir ces animations, parce qu'on a le sélecteur qui bouge en fait. Et si je sélectionne autre chose, il va continuer de bouger et il va aller de l'autre côté. Parce que pour faire une animation, on est d'accord, c'est un point clé avec une valeur vers un autre point clé avec une valeur. La question là, c'était comment j'arrivais à changer la valeur d'un point clé en fonction d'autre chose. La réponse, c'est que vous ne faites plus de points clés. Vous allez en fait, j'ai une expression par exemple ici. Là, on rentre vraiment dans un truc un peu compliqué. Tu as 2 minutes et demie. Ouais, mais ça va aller vite. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer à quel point les expressions, ça peut être puissant, quoi. Ce calque-là, c'est le calque du sélecteur. Qui, en fait, voilà, c'est le cadre de couleur, là. Et en fait, vous remarquez que j'ai un point in ici et un point out. Et en fait, c'est des marqueurs qui sont directement sur mon calque. Et que mon animation commence à partir du point in, de finir au point out. Et ce sera toujours la même chose. Je mets Premiere Pro, tu vois, il va partir de podcast et finir Premiere Pro. Et ainsi de suite. Pareil, si je fais unknown, cast, in, out, il finit sur unknown. Voilà. Et en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai une expression ici qui définit le marqueur in comme le début de l'animation et que la valeur au moment du in correspond à la première valeur, à une valeur de je vais attribuer via un menu ou un autre paramètre, etc. Et que la valeur de sortie, ça va être une autre valeur que je vais aussi définir. Donc là, par exemple, ici, ce que j'ai fait, c'est que c'est juste un calque de forme avec un décalage qui permet justement juste de décaler la forme là où il faut qu'elle soit. Donc la valeur in, c'est 0, parce que 0, c'est le podcast. Si je sélectionne After Effects, ça va changer la valeur de mon paramètre ici sur 2, qui va dire justement à mon animation que la valeur de fin de cette animation-là, c'est 2. Donc tu vas te décaler de 2 pour aller sur After Effects. Tu vois, donc 1, 2. Okay. Et en fait, c'est ce que ça dit. On arrive à la fin. Ouais. Tu as start marker, end marker, tu vois. Et il est lancé dans le code. Ouais, je suis lancé. Mais et donc x in, c'est la valeur au début, au point in, qui est de 0. Et x out, ça va être la valeur de sortie. Et x est défini par
Non, et X, en fait, ça, c'est toute Si l'animation, vous justement. perdez sur Binance, je vous dis au revoir sur YouTube ou je vous dis au revoir avant, mais On peut... ça va Non, très très j'ai fini, j'arrête. On fera un live Twitch à la limite dessus. Voilà. Mais les expressions dans After, meilleur truc du monde. Donc, on peut faire des trucs incroyables dans les expressions. N'hésite pas à nous partager sur le Discord ou que les gens te suivent des ressources s'ils veulent en apprendre plus, parce que là, j'ai l'impression que c'est un énorme morceau qu'on ne sera pas capable de voir en 5 minutes. Ouais, non, clairement. Bah, j'ai Donc, commencé voilà. à faire. Bon, du coup, on a été coupé sur Behance, mais bon, pour ceux qui nous sont encore avec nous sur YouTube, le vendredi, quand j'y arrive, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, mais je veux stream sur Twitch, notamment quand je fais de la post-prod, du motion, de la programmation un peu comme ça. Et donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver très facilement sur Twitch, Nicolas Burnage, hein, comme d'hab. Hein. De toute façon, il ne faut pas chercher très loin. Et je montre un petit peu comment je fais tout ça. Ben, un peu comme à Thomas, en fait. Hein. Je m'amuse, en fait, dans After et Premiere. Et j'y découvre des trucs. Tu vois. Là, par exemple, la technique que j'ai montrée tout à l'heure pour faire l'animation d'image, je l'ai trouvée dans Twitch, en plein live Twitch. Tu vois. OK. Eh ben, écoute, on regardera ça. Merci à toi. Alors, attends, on est revenu. Voilà. Et ben merci à tous de rester jusque là. J'espère que la semaine Max vous a plu, que vous avez appris plein de trucs, que vous avez la pêche de ouf. Moi, comme d'habitude, ben, je vous retrouve lundi. Lundi, je reçois Paulinoshka, créatrice et graphiste, et ça va être super cool. Elle nous avait envoyé son portfolio lors d'une portfolio review et on avait trouvé ça tellement cool qu'on l'a invitée à venir nous parler de plus de son travail. Donc, petit rappel pour vous dire qu'il y a les portfolio reviews qui reviennent aussi dans 2-3 semaines. Donc, n'hésitez pas à nous partager ça si vous voulez un peu de retour sur votre travail. Bah, comme d'habitude, vous nous partagez ça sur le Discord, sur nos Instagram, Dience. Vous nous trouvez. Je pense que moi et Franck, on est facile à trouver. Donc, voilà. Merci Nicolas. Ah ben, merci à toi. Je pense Toujours que un je vais plaisir. Passer mon week-end à dormir. T'as pas de montage à finir Je vois pas du tout de quoi tu parles. Allez, et ben je vous envoie plein de bisous. Merci Nicolas, et on se retrouve lundi et toute la semaine ensemble. Ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.